Au lieu de générer de fausses données, nous allons dans cette section utiliser un vrai capteur de température, humidité, pression, le BME280 de chez Bosch. On va communiquer avec le LoPi par le bus I2C. Il nous faut donc 4 fils pour le relier. La masse, une alimentation électrique de 3,3 V et un fil pour l'horloge et un autre finalement pour les données. Une fois connecté, nous allons pouvoir programmer notre LoPi pour récupérer des données. Le module BME280.py va nous permettre de voir comment le faire. Dans un premier temps, on crée une instance du bus I2C en précisant la vitesse et qu'on est le primaire. I2C scan retourne les adresses I2C des secondaires connectés au bus. Ici, on n'en a qu'une seule, il s'agit de celle du BME280. On initialise le composant et après, on peut lire les valeurs brutes et les valeurs normalisées. En touchant le capteur, vous verrez la température augmenter. De même, en soufflant sur le capteur, la pression va changer.